fois il y a de l'eau, la mise en l'eau en sera plus facile. Nous voilà partis. Putain, j'ai des trous dans la combinaison. De Saint-Germain-du-Puy jusqu'à Bourges. Hein ? Nous sortirons à la passerelle Néro, si tout va bien. Dans les marais. Voilà, un arbre couché au milieu de l'eau. Il fait obstruction, barrage. Mieux vaut le contourner. Et ne pas prendre de risques pour se retrouver coincé dedans. Voilà. Ah, t'inquiète pas. T'inquiète. T'as pas besoin de casser tout le vent pour t'avancer, faire avancer. Nous allons aller voir s'il est possible de se mettre à l'eau avant la cascade. À première vue, il y a des branches et du bois mort qui traînent dans la descente. Nous ne prendrons pas de risque. Nous nous mettrons dans l'eau après. S'il n'y a pas de branche, on mettait une corde, on le faisait. Mais je ne sais pas, avec la branche du milieu, là, je ne sais pas ce que ça va faire. Voilà arrivé vers la rocade. Le pont étant un peu bas, nous ne prendrons pas le risque de passer en dessous. Les casques risquent de gratter sérieusement la jupe. Oh, tu marches en arrière, t'es pas... Ha ha ha.
Fin de notre petite balade. Il était temps d'arriver. Il commence à faire sombre.